Ngano Piquet et son groupe ne sortent de leur maison. Chacun prie dans son cœur. Nous sortons, nous allons vers le stade. Nous choisissons d'habitude un coin calme, retiré, pour me maquiller. Mon maquillage prend de fois 10 à 15 minutes. Dès qu'il finit le maquillage, allez, nous commençons à jouer. Les gars, ils jouent, ils se mettent en, ils me suivent. Nous allons au stade. J'ai une habitude, généralement, quand je choisis une place lors du premier match, c'est une tradition pour moi, c'est un match. Je me répète sur cet endroit et le match suivant, je reviens sur cet endroit. La partie, cet endroit m'a déjà donné une première victoire. Je souhaite et je souhaiterais toujours que cette place me donne des victoires futures. C'est comme ça notre entrée au stade. Et ensuite, à la mi-temps, deux fois on peut jouer. Deux fois, je peux dire qu'on se repose un peu et après on reprend. Donc, notre match contre l'Éthiopie a été un match très, très difficile parce que l'Éthiopie avait déjà perdu son premier match. Il cherchait à avoir aussi 3 points comme nous. Et avec des joueurs, l'Éthiopie n'a que des joueurs locaux hein, qui jouent dans le championnat. Local éthiopien, comme ça, ils se donnent à fond. Ils nous ont vraiment mis en première mi-temps. Et nous nous sommes retrouvés en deuxième mi-temps où on a pu marquer 3 buts. Et ils sont allés trop fort. Hein. C'est eux qui ont ouvert le score. Ils nous ont mené 1-0. Après, Toko et Kambi a égalisé. Nous sommes allés à la mi-temps, un peu partout. En seconde mi-temps, nous avons pris le dessus. Et nous avons marqué 3 autres buts. Bravo Lyon et Notre-Dame. Et le prochain match contre le KV sera aussi également un match très difficile. Parce que le KV est une équipe qui nous cause sérieusement des problèmes. Ils sont à 3 points, disons. Ils sont à 3 points. Parce qu'ils ont gagné l'Éthiopie lors du premier match, 1-0. Ils sont à 3 points. Ce sera un match très très difficile. Mais j'ose espérer que nous allons les gagner. Nous allons les gagner.